suis arrivé à Bordeaux l'année de la canicule, en 2003, pendant la canicule. Je me sens bien. J'ai pas du tout le sentiment d'avoir quitté Paris, mais j'ai pas perdu une ville, j'en ai gagné une autre. On aurait pu penser, et je le pensais d'ailleurs, que le rythme parisien changeait rien pour moi parce que je travaillais chez moi. Et en réalité, le rythme ici est plus lent, je prends plus mon temps. Enfin, c'est tout un ensemble de choses qui a changé. Et puis ça me fait des nouveaux décors à dessiner aussi. Ce matin, je fais du repérage. Comme j'aime que mes personnages soient dans la réalité, il faut que je les mette en situation. Donc je repère des lieux qui m'intéressent à dessiner. C'est souvent ça d'ailleurs qui me donne le déclic. C'est-à-dire qu'au départ, j'imagine des personnages, mais ils commencent à vraiment vivre quand je sais à quel endroit ça va se passer. Alors là, c'est le piège. J'avais imaginé mettre mes personnages dans cette boîte de nuit et puis aller en travaux. Je sais pas. Je sais pas ce que ça va devenir dans 2 mois. Ça m'aide à y croire, si tu veux, quand je suis sûr que les choses existent. Et quand, si moi je crois à l'histoire, j'ai un peu plus de chances d'y faire croire mes lecteurs. Je préfère faire ça tout seul. De toute façon, on est plutôt solitaire hein, dans ce métier. Dans mes photos, j'ai pas besoin d'avoir les personnages. Les personnages, ils sont dans ma tête et je les vois déjà dans le décor. Je préfère faire surgir le personnage du papier. En faisant mon storyboard, j'avais déjà des photos et je m'étais mis en tête qu'on le voyait, ce pont. Et... Encore une fois, je me suis inventé une image qui n'existe pas. Il va falloir que je la dessine, quoi. Je suis un peu obsessionnel, donc quand j'ai une image en tête, j'ai vraiment envie de la faire comme ça, j'ai pas... À ce moment-là, je me détache de la réalité. Mon idée devient plus importante que la réalité. Si on veut rester dans le récit de genre, il faut absolument conserver le cadavre dans le placard. Je suis pas sûr de vouloir rester dans le récit de genre. Même si j'ai longtemps utilisé les morts dans mes histoires, plutôt comme une valeur métaphorique, mais c'est pas toujours bien compris. Pour moi, quand on tue un personnage, notamment ce sont des histoires d'amour et de mort que je raconte, quand un homme tue une femme dans une de mes histoires, il le fait physiquement, mais dans mon idée, c'est une chose qu'on fait tous les jours, de tuer la femme qu'on aime, ou celle qu'on n'aime plus, même si on la tue pas vraiment.